Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro après quelques jours d'absence. Et je crois que beaucoup, nombreux d'entre vous comprennent ce que nous vous avions dit à la cause de nos absences. Peut-être nous serons de temps en temps absents sans vous avoir avisé. Donc vous allez constater, pour ceux qui me suivent pour l'instant, pour la première fois, pour justifier cette absence, effectivement, c'est que nous sommes en train de monter un projet et que nous pensons que ce projet-là nous prend assez beaucoup de temps et que ce projet-là sera lancé mi-avril, disons mars-avril 2022. C'est pour cela que vous allez voir, de temps en temps, nous nous éclipsons sur vos téléphones et puis sur vos ordinateurs et puis sur YouTube ou sur Facebook pour justement donner du temps à ce projet-là. Mes chers amis, aujourd'hui, d'autres personnes attendaient réaction. On n'est pas sorti, donc on est pratiquement dans nos studios. C'est pour cela que nous avions dit, nous allons faire l'émission normale Contact Pro Live. Donc, nous allons parler de quoi aujourd'hui du gouvernement. Bandeko gouvernement, ezana tozana kati, eza ko lakisa bolembu nango na ba poignons. Nous allons parler de comment est-ce que la marche de notre pays est en train d'être torpillée. Donc, les Congolais ne savent plus exactement sur quel pied danser. Les Congolais submergés par beaucoup de choses, par des scandales et tout ça. Et puis nous ne savons pas qui dirige finalement. Nous voyons là le service de sécurité qui s'ingère dans les problèmes de justice. Nous voyons les journalistes qui sont en train d'être inquiétés. En tout cas, nous sommes dans un tumulte. L'étape dans laquelle nous avançons, c'est une étape, comme disait dans le jargon de l'aviation, que nous sommes dans un trouble. Donc, tout ça, moment par moment, il y a trouble. Et ces moments-là sont très, très difficiles à aborder. Il faudrait vraiment avoir des nerfs solides. Donc, dans ce numéro, nous allons parler de la marche de notre République. Et quand était le mois d'octobre? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 30 octobre 2021. Nous avons connu beaucoup de choses dans ce mois d'octobre et nous allons en parler aujourd'hui. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. RDC et PST, suspension de la grève des enseignants des écoles publiques. Et puis à Kinshasa, la police sur la voiture sans plaque d'immatriculation et roulant dans le sens contraire. Et puis des gyrophares. Donc à partir de ce 1er novembre, la police va arrêter tout véhicule qui vont se méconduire. On va sur actualité.cd. Ebola à Beni. L'UNICEF a besoin de 4,4 millions de dollars pour une réplique ou une réponse urgente. Et puis, RDC, le cardinal Ambongo fait part à Sassou Nguesso de la situation sociopolitique du pays. Congo profond. Et Kwango, le ministre provincial de pêche et élevage, poursuivi pour exportation frauduleuse de cannabis. Au Katanga, la guerre contre la contrebande fait passer les recettes de 200 millions à 500 millions de francs congolais par mois à Makambo. 7 sur 7. Kwilu, le gouvernement provincial de Bourse, un fonds pour la construction de 6 édifices publics. Et puis, il y a le projet budget 2022 doit être crédible. Ça, c'est le FMI qui parle. On termine par Radio Okapi. Goma, la police appelle les femmes à intégrer massivement la police pour briser certains préjugés. Et puis, il y a 24 bombes et autres engins explosifs détruits à Beni. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, chers amis. Ce mois d'octobre a été donc alimenté par beaucoup de choses. Le gouvernement
et son programme touche à tout. Finalement, okoyoka bango ba lobby, oh non, c'est tantôt makambo bukangalonzo, tantôt nous allons faire l'état de siège, l'état de siège batsimé ango muke et puis on tibatiki. Oh non, le programme de 145 territoires, oh gratuité de l'enseignement, ils ont qu'en été ba grève à ba étudiants, ba grève na monatra, ba développement y a CENI. Donc les gens sont dans la cacophonie moko oyo toza koye bate soki likamango ezande ngini Congo ango ezokende wapi. Tantôt c'est l'argent qui a augmenté, tantôt que batu bazana grève pour ba foutamité, tantôt finalement gouvernement na biso eza na nini yango? Qu'est-ce qui se sont passés? Ils ont présenté un bilan, disons pas un projet de bilan. Tomi tuni soki projet wana ya nani ya o ba présenter que au premier ministre akendaki nango na parlement pour na budget l'année prochaine. On se demande ça a été confectionné comment tout ça. Toutes ces questions restent sans réponse. Ou question moko alobi bon toko ça la boy. Après tout, après loko moko boy bon makambo ango eke nango na mai ba ezali susuté bazo ko lobela ngo susuté. Boyoka kibino moko awa lobi lancement ya ba financement ba territoire. Est-ce que bozo yokango lisusu? Elo komoko eza lisusu te. Boyoka ki o président a kena voyage. Il est tout le temps parti le président de la République. Mais ça nous rapporte quoi finalement? Mabe biloko nyoso ezo uta wat. Qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce que le gouvernement a zo sal bandeko? Si vous cherchez à tout faire, bokoya ko sale loko mon côté. Attends mbongo bolobi ke mbongo eza ebele. Mais na kota la ba makambo nyoso o tozo sala na Congo, bokomo na mbongo ango ko sala pe loko mon côté. Je disais à un ami, et s'il est en train de me suivre maintenant, je disais que dans un litre à maille, on tient 500 grammes à sucre. Cuillère, petite cuillère à sucre, au tchang on a un litre à maï. Est-ce que maï wano est cause à la sucre? Moutoua est cause à la sucre? Mais est-ce que vous satisfaire moutoua ça comme l'ango pour la zolinga ayoka sucre wana na katia maï wana? Tout ça c'est à cause de quoi? Finalement nous nous sommes posé la question awa, likambounine, état de siège est aussi mbate. Ata baza donc bilo kono se komi ka ko forcer état de siège on simbaté ba toazo continuer ko kufa. Mais vous allez entendre na bango na gouvernement, non ça va, nous sommes sur le bon chemin. Et puis batiki ango na pendant une semaine, lorsqu'il s'agira encore de prolonger loko ango likambo ango zongi na 15 jours on a dans les deux pays, dans les deux territoires on a un état de siège okoyoka 40 50 morts ba ta ke za ko continuer. Et on se pose la question, est-ce que Batou ou Bazaki ba kanisa ki likambo état de siège malam? Okoyoka batiki nan état de siège bon et comme likambo na marché à Kinshasa, il faut Batou Bazako skufa nzala ba biloko matita. Batindi ba débloquer mbongo na mibito kendo soba ba poisson ba banani ba surgelé na Namibi. Boko makuna boe et comme oh non dans deux mois tout ça babilo ko belé za ko salema solution za ko mona na te bandeko. Où allons-nous finalement gouvernement oyo? On se pose la question, est-ce que vous pensez vous connaissez le réel problème du Congo? Est-ce que vous connaissez vraiment place ni nango il faut ko bandela? Parce que même na banata bozala ki na bozako présenter ba projet na bino na parlement, vous aviez à peu près une affaire à 300 soki combien de points oyo bomona ki ke fallait ko toucher ango. Les 300 c'est beaucoup pour ne rien faire, pour n'aller rien faire. Et là comment ko boko sala ango te? Boko sale loko moko te tant que bozo simba wa botiki, o simba wa botiki, makambo wa justice, oh, bakangi batu, oh non, bongo koti. Finalement, ce gouvernement est en train d'y aller avec du sensationnel. Makambo wa sensation kaka, oh to, non, nous sommes bien, oh, non, likambo wa seni. Tout est en train d'être
Et ce monde n'a qu'à battre pas au forcé. Est-ce qu'on est en train de vous bloquer encore une fois de plus comme le FCC le faisait? Makambo nyoso ezo utawapi. C'est ça la question que nous devons analyser. Est-ce que c'est une question d'homme? Est-ce que c'est une question à battre? Est-ce que Batunde Baza qu'on réfléchir malamouté? Est-ce que quand vous êtes dans le conseil des ministres, bon, mais tout n'a qu'à éloquer ni n'ango to rosa la semaine, to bandango to si lisango. Okoyo kata mousou, oh non, bah avion, oh bah biblo kwe kitatalo. Donc on touche à tout. Oh bah ticket à avion kitatalo. Est-ce que vous avez analysé la situation? Et ça la babilo kwe mousou, so ki bo bandi ko sala yango bien. Et que bo sali si yango, bo komisi yango na souka. Les autres problèmes qui viennent, qui osent s'accrocher dans le problème principal, on a et trouvé la solution. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple de Akolo Bakeno, to se concentrer sur comment résoudre le problème, il y a état de siège, to si di salikambo oyo. To bandia ango, to concevoir un plan, to lobi elo koni nangoza wa, to luki, to yebi problème eza nini. Est-ce que Batouana Bazako Akoboma Batou réclamation na Bamoni avant d'engager de l'argent, avant d'engager quoi que ce soit, je crois que vous devez quadriller d'abord le problème. Tant que vous voyez Babolobi, ah, donc solution, il faut que ça la boue. Likambo, il y a Sud Kivu par exemple, côté Aminé Boukouna. Likambo, il y a Tikalaka boue. Côté Kouna, il y a Monde Moussous, il y a Congoté. Côté O, Alain Fokaba, Kendaki, côté Akitutu, côté Ananias, Nasud Kuvukaka, côté Abashabunda Kuna, Mboka Wana, Ezalaka, Congo, Teza Mboka, Moko Boesang, non. Le Congo n'a pas de contrôle de tout ce qui se passe là-bas. Même les gouverneurs en arrivant là-bas, tant Zouzouba Akeyakaye, mais ils n'en tirent aucun bénéfice. Et la région ne tire d'aucun bénéfice na ba côté kuna. Et ça n'a pas maï maï basa ko contrôler ba côté kuna. Ba Akeyaka gouverneur, tant Zouzouba Rubio, gouverneur Ayaki. Population Bimi, tout se faire semblant, oh ba ye, gouverneur. Tant Wakei, ba toi na basa kuna basa la kana autorité mon côté. Donc, bref, nous parlons ici de l'ensemble du territoire. Mais au Koyoka, le gouvernement a se concentré sur l'obité, tout ça, tout ça n'amène le pays à absolument éloquer mon côté. Éloquer mon côté, le pays a bénéficié de l'action du gouvernement, il y a l'éloquer, exacté. Ou soit, même si ces actions-là peuvent avoir un impact, mais comment on en a été? Tous on a besoin de crier à nos réseaux sociaux que non, ils sont au tongi pont, ils sont au sali boité. Non, il faut que la population d'elle-même constate que non, l'IPBANDE cause à la 500 francs, les lois comme 250 francs. Est-ce que Batoubassa la Kamakele, le temps où on a pris na Wenze Mataka? Les gens constatent et commencent à crier. C'est la même chose. Quand les choses commencent à. Et Bandi Kokita, la population elle-même va commencer à être contente. Mais il faut renverser maintenant cette situation-là. Des problèmes place tozo koma. Toko sa la ndenge nini, gouvernement oyo. Est-ce que c'est le président qui dirige? Ou bien c'est le premier ministre qui gère le pays? Est-ce que le parlement ndenge kuna? Est-ce que makambozo sa la malamu? Est-ce que nous sommes bien préparés pour que toko nena ba élection? Ba élection ane kosa le labiso nini? Nous allons mobiliser l'argent pour les élections. Les élections vont donner quoi? Impact nini na ba élection en ekosa la na population na biso si c'est le peuple d'abord.
réfléchis. Tu nous as dit comment on a élection. Qu'est-ce que ça va apporter à la République démocratique du Congo? Jusque même le président, le parlement, comme il conseille la campagne, même ça, que, vraiment, vous voyez qu'il y a trop de désordre. Les professeurs qui se justifient, oh non, bah toi, na, bah ça, là, qui boyega. Oh, on est dans quel monde, Bande Konangaï? Remettons-nous en cause un peu, réfléchissons tous aux kende wapi. Même les professeurs, dans tous les secteurs, dans les secteurs, le pays est dans une tumulte où les gens ne savent pas quelle est la solution. Bandeko, ton nom est la solution. Parce que nous sommes en contact pro-life, nous proposons, nous disons que voici ce que nous pensons qui doit être fait. Niniango, il faut tout ça là. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ma position depuis tout le temps, oh, tosal, tosala kanabino, awa, naebi sakabino toujours la lobby, nous étions déjà mal partis. En perpétuant les systèmes qui existaient, oh, oubandina ba mobutu ti lelo, oh, nous sommes déjà très mal partis. Nous n'arriverons pas à avoir même les consensus na biso moko tokoyoka na kate na kati ya système oyo. Système oyo essaie comme une apogée na ngodo ke suki. Nous devons renouveler un Congo. Le Congo doit être un nouveau Congo. Et tout le monde doit comprendre. À partir de mutu oyo totie azana kati ya azana bokonzi lelo, il faut comprendre que non, système oyo esuka ki mabe. Bande kolelo bo tozolo ba non to forcer makambo ba élection oh non ndenge wana bino pe bo sala ki bongo bo sala. Donc nous perpétuons le système qui est passé et qui n'a pas réussi. Exacte le loso ki toke na forcing ne to ko réussir. Forcing oh ezako sala nini ezako ko bongisa mboka te mais ezako linga batu ba se maintenir au pouvoir au-delà de 2023. Pour en faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ata bokozala na pouvoir et lo koni na bokosala. C'est ça le problème. Vous devez expliquer pourquoi est-ce que vous voulez un deuxième mandat. Ce qui bozo ko kamanda li bozo te. Le deuxième mandat vous bokoka ngona ndenge ni expliquer au peuple. Il faut que Moussala na binonde ekope sa kabino deuxième mandat. Ne forcez pas ce que bokota na deuxième mandat, c'est que vous n'avez rien fait. Parce que les lois oyo, mais ça la nyoso oyo, il fallait que bon ça la, pour moment bon la qui ça changement et ça limité. Et là comme mon côté oyo boyaki nango que bolobi, biso toi qu'on implémente voici état de droit toko banda bo. Et là comme tout bon ça li, on a cité les bilans ah, tout n'a pas marché. En commençant par ce que vous êtes en train de vous vanter, oh non, gratuité enseignement, oh. Tout l'état de siège est encore là. Bah, insécurité, ça n'est pas est. Donc, aucun changement n'a été apporté. Pourquoi? Parce que vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Il y a un autre dirigeant à l'élo. Il y a un autre dirigeant à l'élo. Diriger. Il ne faut pas venir dans le même système. Toko bengala Tshisekedi na 2023. Bino pe moko banda lisusu kokota ke no to récupérer courte je sais pas la cour constitutionnelle bon récupérer CENI tout ça. Nous allons recommencer le même cycle. La chose la plus simple aujourd'hui c'est que le président Félix étant au pouvoir a proclamé Tout banda pour réfléchir sur un nouveau Congo. Quel est le système qui est approprié pour un nouveau Congo? Et il faut impliquer Batunyoso, il faut impliquer la base. Ne vous fiez pas aux politiciens qui tournoient et qui cherchent à conquérir le pouvoir. Dans le pouvoir, dans le système, il y a Moïbi. Si vous n'êtes pas voleur, monsieur Tshisekedi, entamer le processus et à changer le système autosanakati. Parce que le système autosanakati est koufa. Le système sur lequel c'est l'unitarisme. Décentraliser le pays. Banda kotsala masolo na base pour que batou pèse pouvoir déjà na base à Koloba. Banda koto réécrire constitution na biso. Et qui vont écrire ça, c'est la base. Batou nyo sotou bakende. Kende na système wana koloba, ngana ko décider le sous-souté, il faudrait que la base puisse commencer à décider
tombent même dans la élection municipale. C'est comme ça, awa na contact pro life, nous, tolobaki, voie de sortie, et ça, kobenga, ba état de lien à ba territoire. En fait, que, pour que ba état de lien à ba territoire, que le tout le monde, suspendre Sénat, na ba parlement, na nyoso, ba institution, ou objectivo, na, suspendre, nous n'avons pas à nous hâter dans les élections qui ne produiront absolument rien. Comme vous êtes reconnu par tout le monde aujourd'hui, même Batunenge Toyebi Nengo Koma Kiwana, profitez-en à mettre les choses sur les rails. Et ça la poursuite à Batunenge. C'est parce que nous savons que Ozalaki n'a plan en athée. Mais ressaisissez-vous, il est encore grand temps, il y a Kolobakeno. Tombande la Makambu, oh, à zéro. Tombande la Kotia, Mibé, Kombo, Yenamboka, oh, bisogno, Sotoko, Tokondima. Kimoïbi, aussi la tête, Nakokangaba, toi, ta mille. Na même système, oh, Kimoïbi, aussi la tête. Il faudrait remettre le pouvoir à la base, Batunyo, Sotoba, Banda Kolobano. Tout roi, bisogno, tout toujours géré par Nabiso. Nous n'avons pas d'abissons de développement et pas d'abissons de dépendre de l'abissons de gérer. Nous n'avons pas d'abissons de dépendre de ma casse ni de la capacité intellectuelle ni de la territoire. Et cela doit commencer dans les territoires. C'est là où nous proposons que, et là où nous sommes, nous sommes en dehors de remettre le pouvoir dans la base, dans le territoire. Où les territoires commenceront à faire état de lien à la territoire na bango koloba tozana nini? Comment est-ce que nous pouvons gérer ba minerais ou bien ba richesse na biso? Comment est-ce que nous pouvons organiser notre administration à partir de ba territoire na biso, ba groupement na biso? Qui fait quoi dans chez nous? Ba identification na biso ko salema ndeni? Toutes ces discussions là doivent être ba compromis et soit au niveau local, au niveau des territoires. À ce moment-là, tant que tu es au niveau de la province, et que ça soit facile, parce que tu réunis les idées de l'Union, surtout, tu harmoniser en haut, et c'est ça qui va faire l'unité du pays. Pendant là, je vais m'arrêter là, pour aller là, dans ce qui mais je pense que la semaine prochaine, il y a des choses qui sont en haut, il y a des explicités que non. Ma cambo, non, surtout, ils ont salé mal, et ça, normal que tu es au Kende. Parce que nous ne voulons pas construire le pays au niveau de la base à Koloba. Consensus, il faut pas mettre dans le pas moins. Mais nous sommes tous ensemble. Nous avons ensemble. Dans ma province, à ce moment-là, il sera facile d'organiser les élections, il sera facile d'obtenir même les consensus, parce que tout le monde, surtout, voilà, on se revoit demain dans un nouveau numéro, mais en vous rappelant aussi que, Bandeko, continuez à vous abonner. Nous faisons un appel, pas pour ce que vous avez dit, mon nom. Abonnez-vous, partagez ces émissions parce que tant que vous avez partagé, on a mon commentaire et tout le monde on va vous suivre pour la première fois parce que quelqu'un a partagé. On va vous dire que ça va tout mingi mingi pour la première fois. Mais bien, on va vous dire que vous avez un peu de temps pour s'abonner. Abonnez-vous, vous allez s'approcher pour mon état de la chaîne Nabiso. Wanande kosala biso bien ceux qui ba abonné bazé belé. Merci beaucoup, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.